Zoubida Charouf, je suis professeure à la faculté des sciences de Rabat. Je suis la présidente de l'association Bnou Baïtan qui a fondé les premières coopératives d'huile d'argan au Maroc. Et je suis également présidente de Slow Food au Maroc. Alors, c'est qui Slow Food? Slow Food est un mouvement international éco-gastronomique. Et il a été lancé en 1987 et actuellement il est international. Il existe dans 152 pays et avec plus de 100 000 adhérents dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Slow Food défend la biodiversité alimentaire et donc se bat contre le fast food et le fast life qui envahit un peu le monde. Le fast food, c'est de l'homologation du goût un peu partout. Et donc c'est au détriment de la gastronomie locale, des produits locaux. Et donc ce que nous essayons de faire, c'est de valoriser les petits producteurs qui ont tout un savoir-faire dont on maintient de la biodiversité, on maintient de la biodiversité alimentaire. On essaie de créer des activités génératrices de revenus autour des produits locaux. Donc promouvoir aussi une alimentation bonne, propre et juste. Une alimentation bonne pour ses propriétés organoleptiques, propre, c'est-à-dire produit sans nuire à l'environnement ni à l'homme, et juste, c'est-à-dire que le paysan qui l'a produit ait la juste valeur du travail qu'il fait. Donc nous sommes conscients que se nourrir est un acte agricole. En choisissant les aliments que vous mettez dans votre assiette, vous défendez automatiquement la biodiversité et vous protégez l'environnement, vous préparez on protège la biodiversité pour les générations futures. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille? Déjà, on a dit le soutien aux petits producteurs, les aider un petit peu en se basant sur leur savoir-faire, à organiser leur savoir-faire, créer des activités génératrices de revenus, avoir des revenus à partir de ça. Tous les produits de la nourriture qui sont en voie de disparition, on essaie de les cataloguer dans ce qu'on appelle un arche de goût, qui regroupe un peu tous les produits alimentaires qui sont en voie de disparition. Ensuite, on crée des projets avec ces produits de l'arche de goût. Donc ça fait ce qu'on appelle une sentinelle. Et on met tous les moyens pour protéger cette sentinelle en promotion. Donc tout notre réseau va utiliser cette sentinelle dans le monde pour aider les producteurs qui la produisent. Donc voilà, l'arche de goût, les sentinelles. On a lancé en 2011, on a lancé 1000 jardins potagers en Afrique. L'objectif, c'est de valoriser les semences locales, protéger aussi ces semences et surtout rapprocher les enfants de la terre, parce qu'ils commencent à être un peu disconnectés. Donc voilà, c'est les projets 1000 jardins potagers en Afrique. Nous organisons des événements pour rapprocher le maximum possible les consommateurs du producteur. Donc des événements que nous faisons tous les deux ans en Italie déjà. C'est Terra Madre et le Salon du Goût en même temps. C'est un grand salon où il y a tous les produits dans le monde entier qui sont exposés. Il y a des événements uniquement pour les poissons, par exemple, Slow Fish. Il y a les événements pour les fromages, Slow Cheese. Et il y a des Terra Madre régionales, par exemple Terra Madre Brésil, dans d'autres pays. Alors, une des activités de Slow Food, c'est la création d'alliances entre petits producteurs et restaurateurs. Donc au Maroc, on a lancé cette alliance au mois de novembre. On l'a lancée en février, juste un lancement comme ça. Et après, on a fait les premières journées de l'alliance Slow Food.
Et là, on a fait pas mal d'activités, des cooking shows avec les produits de terroir pour montrer que c'est possible d'avoir des produits avec de très bons goûts. Hein. Vous avez certainement vu un peu un des restaurants de l'Alliance. Voilà, donc maintenant, l'Alliance, les jardins potagers, Slow Food aussi, elle a créé la première université dans le monde de gastronomie à Polonceau. Et là, elle forme donc des jeunes dans cette université gastronomique. Parmi les événements que nous faisons aussi, c'est dans chaque convivium. Slow Food créer des associations locales qu'on appelle des conviviums, hein, parce que tout se passe autour de la nourriture et on veut qu'il y ait de la convivialité autour de la nourriture. Donc, dans tous les conviviums du monde entier doivent fêter Terra Madre Day, qui est généralement au mois de décembre, autour de 10 décembre. Donc là aussi, c'est le soutien à l'agriculteur, aux agriculteurs, c'est la valorisation du savoir-faire, etc., etc. Donc, je pense que, en gros, c'est ça. Au Maroc, on a quatre produits sentinelles, qui sont l'huile d'argan, le safran de Taliouine, le sel de Zaradoun, le cumin d'Anif, et bien sûr, en nous comptant préparer d'autres. On a 25 conviviums dans tout le pays. On a commencé par des conviviums et quand l'équipe s'est agrandie, on a fédéré les conviviums en une association nationale, l'association Slow Food au Maroc. Voilà, et pour les jardins potagers, je pense qu'on a une vingtaine de jardins potagers. On est très intéressé par ces incroyables comestibles. Ça rejoint tout à fait un peu les choses pour lesquelles on travaille. Et moi, je dirais même que au lieu de faire que des jardins potagers, ce serait intéressant de faire plutôt des kiosques dans les écoles. C'est très très intéressant, surtout après la conférence d'Henri. Là, on a vu que c'était très très important. Et je dirais même que c'est facile à faire. Bon, là, bien sûr, les jardins potagers que nous faisons dans les écoles, on les fait selon le principe de l'agroécologie. Mais les kiosques, c'est encore mieux, hein, parce que bon, il a bien montré que le fait de le mettre en cercle, et puis ce compostage qui se fait au milieu, qui donne un peu toute cette énergie à tous les kiosques, bon, c'est vraiment très intéressant. Et puis même c'est joli aussi, hein, au lieu que ce soit juste un petit jardin, c'est très joli de le faire comme ça en rond. Voilà ce que j'ai à dire. Est-ce possible de parler un peu de l'huile d'argan? Comment est-ce que ça s'est mis en place, les coopératives, etc.? Oui, alors concernant le travail mené par l'association Mlolbaïta pour la création des coopératives d'huile d'argan, bon d'abord ça a commencé par la recherche. L'huile d'argan est produit de l'arganier, un arbre qui ne pousse qu'au Maroc, donc il est endémique au Maroc. C'est la deuxième essence forestière du pays, après le chêne vert. C'est un arbre qui joue un rôle économique et social et environnemental très très important. Économique parce que tout est utilisé, tout représente des revenus pour les populations. Social, il y a plus que 2 millions de personnes qui vivent de l'arganeraie. Et environnemental, c'est vraiment le dernier désert au niveau de. C'est le dernier vraiment rideau vert au niveau des déserts. Parce que vraiment, il protège les sols contre l'érosion hydrique et éolienne. Et ça a été prouvé par des scientifiques qu'effectivement, grâce à ses racines, il protège les sols. Donc, en dépit de ses vertus, on a assisté dans les années 70 à une régression qui était de 600 hectares par an. Donc c'est ça un petit peu ce qui nous a motivés à commencer le travail sur l'argan. Notre idée, c'est comment transformer ce problème écologique en une opportunité économique pour les usagers de la forêt pour qu'ils s'investissent d'une façon naturelle dans sa régénération. On ne veut pas faire le gardien, il faut que ça vienne d'eux. Et je pense que le meilleur moyen, c'est qu'ils s'aperçoivent que c'est un arbre qui est économiquement intéressant. Dès l'instant où ça leur donne des revenus, ben, ils s'impliquent d'une façon naturelle dans sa préservation. C'était ça l'objectif. Donc il fallait d'abord faire tout un travail en recherche, parce que l'huile d'argan c'est un produit qui a des qualités exceptionnelles, des qualités nutritionnelles, des qualités en médecine traditionnelle,
aussi bien cosmétiques qu'un certain nombre de maladies, mais qui était très mal valorisé. Il était produit dans des conditions très précaires, artisanales. Il faut 20 heures pour un seul litre d'huile. Et dans la plupart des cas, il était vendu au bord des routes, dans des bouteilles vraiment qui étaient usagères. Donc, première chose à faire, c'est en suivant l'itinéraire technique de la production d'huile, qu'est-ce qu'on peut changer pour rendre ce produit, pour qu'il puisse obéir aux normes internationales d'hygiène. Et ensuite, confirmer tout l'usage en médecine traditionnelle par les sciences exactes et publier tout ce résultat, faire connaître un peu ses vertus. Et voilà, comme ça, on le fait connaître. Donc, dès que nos recherches ont été menées, donc on voulait partir quand même de l'aspect recherche, ensuite, on est parti sur le terrain, organiser les productrices qui faisaient avant l'extraction de l'huile d'argan en coopérative pour qu'elles bénéficient mieux de la vente de l'huile. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles produisaient l'huile et donnaient l'huile au mari ou alors au fils qui la vendait dans les souks. Parce qu'elles, dans la culture des femmes amazir, les femmes ne sortent pas, ne vont pas au souk pour aller vendre les produits ni sur le terrain. C'est, culturellement, ça ne se fait pas. Donc, on les a organisées en coopérative. Ensuite, ils ont commencé à produire selon la technologie améliorée qui a été mise en place à la faculté des sciences de Rabat. Ensuite, on les a aidés pour la commercialiser. Maintenant, on travaille avec des grands laboratoires de cosmétiques dans le monde entier qui font confiance à notre travail et qui la commercialisent dans des produits de cosmétiques. On est passé d'une huile qui se vendait au début au bord des routes. En 2009, elle était le meilleur ingrédient cosmétique dans le monde. Et donc, c'est quand même formidable, avec vraiment zéro dirham. En marketing, là, on avait juste les moyens de quoi équiper les premières coopératives et c'est tout. Après, grâce à Slow Food, on a été dans les salons tous les deux ans. Donc, les productrices allaient expliquer leur travail, grâce aussi à d'autres partenaires qui nous ont aidés, qui ont aidé les coopératives. Donc, un travail de plusieurs partenaires qui a fait connaître un peu cette huile à l'échelle mondiale. Alors actuellement, il y a près de 200 coopératives. Donc vous voyez, au début, il y avait une réticence vraiment de la part des maris pour laisser leurs femmes aller en coopérative. Après, par la suite, c'est eux-mêmes qui sont venus nous demander « on veut que nos femmes travaillent à la coopérative ». 200 coopératives qui emploient approximativement 5000 femmes. C'est elles les bénéficiaires. Et bien sûr, il y a d'autres femmes qui ne sont pas organisées en coopérative et qui travaillent avec des industriels. Donc, si vous voulez, en tout, il doit y avoir plus que 5000, 4 fois plus. Donc, c'est au moins 20 000 femmes qui travaillent pour les industriels. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas que les activités génératrice de revenus, il y a également un travail social que nous faisons avec elles. Les premières coopératives avec qui on a travaillé, elles étaient pratiquement à 95% analphabètes. Hein, donc c'est avant, la femme n'allait pas, sortait pas de chez elle, c'était un tabou d'aller à l'école. Alors maintenant, le plus grand impact social, c'est que toutes les femmes envoient leurs enfants à l'école. Et ça, c'est quand même formidable. Hein. Parce qu'il y a eu plusieurs encouragements pour que les gens envoient leurs enfants à l'école. Là, ils ont compris par elles-mêmes qu'ils étaient incapables de déchiffrer un chèque, par exemple, ou une facture. Donc, ils se sont dit, moi, je ne veux pas que ma fille subisse la même chose que moi. Donc, vraiment, un impact très, très intéressant. Donc, alors, ce projet a eu plusieurs retombées. D'abord, des retombées scientifiques. Il y a plusieurs chercheurs marocains qui ont commencé à travailler sur l'argan, ses vertus, sur la régénération de l'arbre, le social, etc. etc. Il y a des retombées économiques, ça fait quand même rentrer pas mal d'argent. Actuellement, on exporte 1000 tonnes par an, rien que pour l'export, que multiplie, si on fait une moyenne de 20 euros, ça fait 20 millions. Quand même, hein, 20 millions d'euros par an.
Ça, c'est juste. Mais surtout l'impact social, vraiment, on est parti avec des femmes qui ne savaient rien. Maintenant, ils utilisent l'ordinateur, ils font traitement de texte, ils assurent la traçabilité, ils mettent tout sur des fichiers Excel, alors qu'elles sont sorties de l'école primaire. Hein. C'est ça notre projet aussi. C'est qu'on ne veut pas, quand on a monté les coopératives, on a toujours gardé cet esprit de faire quelque chose de petit. On a acheté des petites machines pour qu'elles puissent l'utiliser, même les filles de douar. On ne voulait pas que des filles des villes viennent dans les douars pour donc former les filles localement pour qu'elles puissent gérer les coopératives. Et elles sont vraiment autonomes maintenant. Après 5 ans, après 2 ans, on va vers d'autres coopératives pour les aider. Hein? Bon, bien sûr, il faut les aider, les former, mais il faut assurer aussi la commercialisation. Donc, on les met en contact avec des clients et après, on va voir d'autres coopératives pour continuer à faire à ce travail-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité des villes qui sont faites par les coopératives? Bah, écoutez, en tous les cas, par celles qui sont fondées par l'association Bono Baïta, tout le monde l'a reconnu, c'est des femmes qui produisent une huile de très très bonne qualité. Hein. Et tous les profs avec qui je travaille, quand ils analysent l'huile de nos coopératives, ils font la comparaison. Ils disent qu'il n'y a aucune comparaison avec les autres. Parce que vraiment, un système, on a bien fait toutes les étapes de qualité. Bon, bien sûr, le seul problème des coopératives fondées par l'association Bono Baïta, c'est la compétitivité. Ils ne sont malheureusement pas compétitifs, tout simplement parce qu'on veut donner un salaire décent aux femmes, hein, uniquement pour ça. Bon, les autres, ils ne les payent pas bien, et bon, bien sûr, on n'est pas du tout compétitif. Hein, donc, celle de coopérative fondée par l'association Bono Baïta, on veut que la femme ait au moins, c'est pas beaucoup, hein, il ne faut pas croire qu'elle touche beaucoup, c'est entre 3 et 4 euros par jour, c'est quand même pas beaucoup. Hein, mais bon, ça fait quand même des prix énormes par rapport à d'autres industriels qui donnent même pas 1 euro par jour aux femmes. Donc, c'est ça le problème. Sinon, c'est des huiles de très bonne qualité et donc on a même pratiquement toutes les coopératives que nous appuyons sont certifiées biologiques, commerce équitable, et ils ont une indication géographique protégée, ils ont une bonne gouvernance. Donc ça, on insiste beaucoup pour que tout le monde profite de la vente de l'huile. Thank you.